Takeshi Honda. Alors ça c'est un petit phénomène du patinage. Septième après le programme court, il a 16 ans, Takeshi Honda. Deuxième des derniers championnats du monde junior. Lui aussi, les quadruples n'ont aucun secret pour lui. Et c'est un garçon qui va vite sur la glace. Et pour cause, puisqu'il a commencé par le short track, c'est-à-dire les courses de vitesse sur glace, mais sur petite piste. À l'âge de 9 ans, Takeshi Honda, Swing Kids, par le Boston Pops Orchestra. Commencer ce programme avec un triple axel et voici maintenant la place du quadruple. Trois tours seulement. L'Axel, c'est un garçon qui a beaucoup grandi. En l'espace d'un an, il était plus régulier, avec 10 cm de moins. Là, il doit retrouver un petit peu ses repères dans l'espace. Il n'a que 15 ans, c'est-à-dire que l'année prochaine, à Nagano, il en aura 16. Et qu'il se situe plutôt dans la perspective des Jeux de 2002, Salt Lake City. Il aura 20 ans. Et il sera mûr. Il a beaucoup de vitesse alors qu'il est à 4 minutes de son programme. Très félin, très léger. Petit déséquilibre là. En tout cas, une belle condition physique pour ce Japonais. Ouf. Combiné
saison inédite. Double-double. À ce niveau-là, c'est inédit. Voilà, on en reparlera de Takeshi Honda. Je le rappelle, il a 15 ans. On vous donnera ses notes dans un petit instant, et dans un instant, le titre de champion du monde va se jouer entre 4, même 6 patineurs. Allez, il y a Kulik, Zagoroniuk, Stoïko, Eldredge, Urmanov et Yagoudin. Et Stoïko et Eldredge, il y a quelques instants, s'est chauffé en dehors de la patinoire. On se retrouve avec eux dans un tout petit instant après une page de publicité. À tout de suite.